l'année du berger, Michel Berger. Puisque tu es né de moi, la vie continuera et tu découvriras l'indifférence. Que veux-tu que je t'apprenne? Les questions seront les miennes et tu chercheras ta vie. Ce sont toujours les regrets, pas les remords qui nous rongent. Mais si tu plonges, si tu plonges, y a les montagnes d'amour qui t'attendent, y a les mains, y a les poings qui se tendent. Si tu on te dira qui aimer, on te dira quoi chanter, on te dira où aller pour tenter ta chance. Mais balaye toutes ces idées, ne garde que ce que tu es, ce que tu veux devient vrai. Si tu avances, ce sont toujours les désirs, pas les plaisirs qui nous rongent. Si tu plonges, si tu plonges, y a les montagnes d'amour qui t'attendent, y a les mains, y a les poings qui se tendent. Si tu plonges, tiens-toi droit dans les bras, le vertige n'y pense pas, ne regarde pas en bas, regarde-toi devant toi, ça ira si tu y crois. Crois en toi, concentre-toi, ne pense qu'à ça, fais le vide en toi, allonge tes bras, avance d'un pas, et plonge. Quand il déploie ses ailes, si tu plonges, si tu plonges. Alors.
Alors, Michel Berger est chez nous en Belgique à Forêt Nationale le 3 mai. Oui. C'est une petite partie des activités de Monsieur Berger, qui est Pygmalion, producteur, auteur, compositeur, interprète, tout le reste. Non, non, c'est pas une petite partie, c'est important d'être à Forêt Nationale. Ouais. La scène, c'est un truc important. Mais c'est parmi des tas d'activités. Oui, mais non, mais pas tellement. Je veux écrire des chansons, c'est pas un truc qui prend tellement de temps. Et à quel moment a-t-on le plus de plaisir? Au moment où on écrit, ou au moment où on chante, ou au moment où on compose? Ah, le moment où on chante sur scène, oui, c'est un peu la récompense, évidemment. Parce que les gens sont là. Tu sais, c'est très abstrait, un disque, finalement, ou même une caméra de télévision comme ça, tu vois, c'est un peu abstrait. Enfin, là, il y a des gens, c'est ça qui est bien. Mais quand on est sur scène, on chante vraiment, quoi. Les gens sont là, on a écrit la chanson pour la chanter sur scène, elle est faite pour ça. Et puis Berger, tout de même, il y a quelques mois, c'était un événement salué par toute la presse, c'était la rencontre Hallyday-Berger. Ça, c'est quand même extraordinaire. C'était une aventure, c'est vrai, c'était une aventure formidable, parce qu'en plus, c'est quelqu'un de très différent de moi, et c'est, je crois qu'on s'est bien entendu. Enfin, on s'est amené mutuellement des scandales, en disant comment est-ce possible, Hallyday-Berger, pas possible. Ouais, ouais, et puisqu'on se dit, alors, est-ce qu'il y aura autre chose? Est-ce que Berger va encore nous découvrir une nouvelle rencontre? Écoute, on peut pas dire que c'était une découverte quand même. Non, mais je veux dire, la rencontre Berger, l'idée. Ouais. Hein, oui, c'est bien d'avoir des rencontres inattendues. Moi, je trouve qu'on fait souvent ça aux États-Unis, des rencontres entre des gens qui sont un petit peu différents, qui écrivent l'un pour l'autre ou qui font des duos. Et ça commence à venir un petit peu. On avait fait un duo entre Elton et France qui était amusant aussi, qui était un bon souvenir. C'est aussi une façon de lancer Elton John en France qui, jusque-là, était un peu boudé quand même. C'est ce qu'il disait d'ailleurs. Il disait, je vais me lancer comme ça. Ça faisait beaucoup rire parce qu'Elton John, c'est quand même. C'est quand même une grande star internationale. Bon, mais puisqu'on est là entre nous et qu'on ne peut peut-être pas l'éviter, que fait Madame Berger? Est-ce qu'il y a des projets de disques dans l'air? Oui, mais tu sais qu'on est un petit peu... on joue l'alternance, nous, c'est comme en politique. Hein, c'est un petit peu un an sur deux. Alors là, je vais finir le Zénith et puis la tournée. Et puis l'année prochaine, elle va s'y mettre. Donc, ça veut dire et moi, je vais m'y mettre aussi parce que j'écris, donc je m'arrête rarement. C'est un bourreau de travail, à mon avis. Oh, c'est pas du travail, c'est bien agréable comme...